Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois d'août va commencer sous les meilleurs auspices pour vous. Avant de parler de notre tirage et de cette ouverture des Jeux olympiques, de cette cérémonie qui a été décriée, mais à travers cette cérémonie, j'espère que vous avez vu les signes. De quoi je parle On va regarder ça après. Et puis on va regarder surtout qui se trouve réellement derrière et pourquoi ces signes. Mais avant tout, je vais vous parler d'un oracle, celui de Yolilune. Yolilune m'a fait parvenir cet oracle dans une pochette pour la protection des cartes, ce qui est toujours sympathique. Si vous commandez ces cartes, vous aurez un sceau avec un numéro. En effet, ce n'est pas un oracle qui est édité à... 3000, 5000, 10 000 exemplaires ou plus. Il reste un oracle presque artisanal que vous pouvez trouver sur le site que voici, donc de Yoli Lune. Je vous laisse quelques instants pour que vous ayez le temps de voir. J'espère que vous avez pensé à faire pause si j'allais trop vite. Mais parlons de cet oracle parce que finalement c'est ce qui m'intéresse. Les cartes sont plastifiées. Alors c'est un tout petit défaut au départ, c'est qu'elle ne glisse pas énormément. Il va falloir l'utiliser plusieurs fois pour que les cartes glissent bien entre elles. Ce n'est pas très grave. Par contre, le fait qu'elle soit plastifiée offre un avantage indéniable. Si vous renversez du liquide, un coup d'éponge et les cartes repartent. Et puis, l'usure. Si comme moi vous utilisez votre oracle tous les jours, plusieurs fois par jour, S'usent là avec des cartes plastifiées, leur durée de vie sera bien plus importante. Alors, si vous débutez dans la voyance, je trouve que cet oracle il est vraiment pas mal. Bon, certes, il a 80 cartes, c'est peut-être un petit peu important, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, regardez, vous prenez cette carte. La carte représente un bateau sous une lune avec un mot-clé voyage. Et tout l'oracle est comme ça. Les symboliques sont très forces. On y voit, par exemple, la triangulaire, trois cœurs, on comprend vite ce que ça veut dire. Et le mot-clé est toujours facile à comprendre. Le travail. Vous allez avoir la transformation comme le papillon. Vous retrouvez d'ailleurs quelque part un petit peu une philosophie identique à l'oracle G. Mais je trouve que là il Est plus facile que l'oracle G parce que les mots-clés sont mieux détaillés. La trahison, voyez le coup de poignard qu'on vous donne dans le dos. Je trouve que la symbolique choisie par Yoli Lune et les mots-clés sont vraiment très très bien choisis. On va pas tous les passer en revue, hein. vous le découvrirez si vous en avez envie. Le temps ici nous avons le puzzle, ici nous avons la motivation. C'est vrai que pour les une pierre en haut d'une colline, faut être motivé. Euh, la carte de l'homme. On retrouve la même symbolique que dans l'oracle G. Vous voyez, je vous en parlais. Mais par contre, derrière, vous avez l'innocence qui n'existe pas dans l'oracle G. Donc, l'oracle G demande beaucoup plus d'intuition. Quand on débute, on en manque un petit peu. Ou en tout cas, on a peur de se faire confiance. Forcément, un oracle avec des symboliques claires et un décodage des cartes claires permet pour celui qui veut pratiquer de s'appuyer sur des faits peut-être un petit peu trop de mental mais au départ c'est important de pouvoir se lâcher et c'est aussi important d'être guidé je trouve que cet oracle offre un bon compromis on va regarder encore quelques cartes ensemble les démarches avec les tonnes de papier qu'on peut avoir le choix et vous voyez que là par rapport au tarot quand on a la carte de l'amoureux, je vous dis toujours, l'amoureux c'est un choix. C'est aussi un triangulaire. Là, nous avons deux cartes. Vous voyez que quelque part, ça offre un panel un peu différent. On essaiera. Hein? Je vais manipuler les cartes plusieurs fois pendant la semaine, jusqu'à temps qu'elles se mettent à bien glisser les unes avec les autres. Et puis on fera un ou deux tirages pour vous montrer. C'est vrai que je reste toujours fidèle à mon oracle de Béline, hein, que vous connaissez depuis le temps. Mais je trouve que tester un nouvel oracle de temps en temps, c'est bien aussi. Ça vous permet d'avoir une opinion, de vous faire votre opinion, peut-être de le découvrir, alors que vous ne pourriez pas le découvrir en magasin. En plus, celui-ci n'est pas vendu dans le Cora du coin, ni dans le Leclerc du coin. Il est vendu par Internet, par sa créatrice. Et puis quelque part, un oracle, comme je vous avais présenté par Divinescence, hein, euh, le, par exemple le, le Belling Galactique, que je vous remets ici. Vous pouvez toujours commander aussi chez Divinescence les oracles, mais ce que je voulais vous dire, c'est que commander un oracle chez, chez la créatrice ou le créateur, ça permet aussi d'établir un dialogue. Et puis parfois de parler avec son créateur et de demander quelle est l'intention qu'il avait mise peut-être dans une carte qui vous reste obscure en tête. En tout cas, moi je trouve que c'est bénéfique. Dans tous les cas, vous retrouverez toujours dans tous les tirages sous mon doigt, vous avez la description et vous cliquez dessus. Outre des informations de la chaîne, des PDF gratuits que vous pouvez charger, vous pourrez aussi avoir pour rappel comment retrouver ses créateurs. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et je vous laisse déjà découvrir un autre symbole qui a été repris par les médias. Je vous laisse regarder la courte vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Derrière la courte vidéo, vous aurez l'image que voici, enfin plutôt, qui va être présentée. On en reparle après avant que je bafouille et que mon discours soit inaudible. C'est le plus grand le club projet. et à la fois le plus pas grand bal populaire pas qui suit sur la pas passerelle de Béli. Pas 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 Alors, vous avez vu Philippe Catherine, cet homme tout bleu. C'est quand même la représentation de Moloch. Cet homme à tête de taureau, regardez la posture. Bien sûr, je ne dis pas que Philippe Catherine est une tête de taureau, mais n'oubliez pas le veau d'or qui est présent lors de cette cérémonie d'ouverture que je n'ai pas mis en image, n'oubliez pas la posture de Philippe Catherine. C'est un homme imposant et je suis sûr qu'il n'était même pas au courant de ce qui se passait lui. Je pense que c'est un quelqu'un qui a joué ce rôle et qui n'est même pas au courant de ce qu'il faisait. Je ne l'accuse de rien. Soyons clairs. Et regardez aussi cette image, cette vidéo. Vous avez vu cet homme en noir qui vient avec un signe pour égorger tout près d'un enfant. Si vous êtes un petit peu féru de, de mythologie, de, de tout ce qui est un petit peu ésotérique, Moloch, c'est un dieu. Et c'est le dieu auquel on fait des sacrifices, et notamment des sacrifices d'enfants. Vous voyez où je veux en venir? On a un homme qui égorge, qui se met près d'un enfant et qui fait le signe de l'égorger. La posture de Philippe Catherine en Moloch. Et vous avez le veau d'or, la tête de, de, de taureau. Hein. Trois symboles, parce que ça ne peut pas être trop flagrant, mais si on sait décoder, on peut les mettre bout à bout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que ça veut dire, on le sait tous. Il suffit de se documenter un petit peu. Sur Internet, vous allez trouver largement de la documentation. Vous tapez Moloch et vous verrez que c'est un dieu pour le sacrifice. C'est aussi l'idée d'adoration de dieux païens. Alors ce n'est pas que je veux dire qu'il faut croire absolument en un dieu. À la limite, chacun a sa religion et ça, ça se respecte. Mais ce qui me gêne un peu plus, c'est quand on cherche à influencer des gens sur une religion sans le dire. Derrière cette figuration, ces sacrifices d'enfants demandés finalement, je me demande ce qui se cache. Et qui se cache Le créateur qui a mis cela en scène ou y a-t-il quelque chose de plus manipulateur derrière Voilà ce qui m'intéresse. Et donc c'est ce que je vais demander aux rues. Qui se cache réellement derrière cette ouverture des jeux olympiques et ses scènes. J'ai dit sc volontairement parce que la scène principale était la scène mais celle CE. Alors on va refaire exactement comme d'habitude et je vais ôter les runes qui ne se retournent pas. Si vous regardez, il y a quand même très peu de choses. Hein. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude. Alors, désolé pour l'attente. Mais il y en a plus que les autres fois qui ont choisi de se taire. Voilà un petit peu ce que l'on a. Vous savez que les runes, j'aime toujours bien. Décoder le message visuel qu'elle nous envoie. En tout cas, lorsque je lance les runes. Je les lance à travers le sachet, on va dire, hein, comme ça. Je sais pas très le mot, le jeter de runes, je ne sais pas quel mot employer. J'ai été chercher une feuille de papier et regardez cette, euh, cette symbolique. Nous avons quelque chose qui est à peu près comme ça et qui est là. À peu près ce que ça, ça donne. Hein. Si je venais à le faire trois fois, Et qu'on le retourne ici, nous obtiendrions quoi Vous voyez si en transparence je l'ouvre, ici, je vais obtenir ça. Ça ne vous rappelle pas un nombre, 666, comme ça. En fait, nous avons ici, je vous remets que ce que j'ai fait. Hein? Nous avons ici, nous en avons un. Nous en avons trois. Si on le refait trois fois. Pourquoi je l'ai fait trois fois Parce que tout simplement, au départ, je n'ai que ça. Et là, je me suis dit, non, c'est trop flagrant. On nous inspire déjà un tiers du chiffre du diable. Le 666, celui que tout le monde sait, l'Antéchrist. Alors, je n'aime pas les tirages spécialement religieux. Vous voyez, j'en fais très très peu. Hein. Euh, je parle plutôt de, de choses d'actualité ou historiques. Mais là, la symbolique pour moi est extrêmement forte. Parce que n'oubliez pas que les runes au départ, elles étaient comme ça. Hein. Pour moi, donc c'est... Voilà. Nous avons ici un tiers de ce qui représente par effet miroir le chiffre du diable. Un tiers, ça veut simplement dire que nous aurons, par ces Jeux olympiques, trois fois... Trois fois à l'image lors de cérémonies, peut-être de remise de, de, de médailles ou de la cérémonie de clôture, mais il y aura trois fois ce chiffre 6, mais à l'envers et en miroir. À l'envers et en miroir, tout simplement, pour que ça ne soit pas trop visible, parce que le démon, le diable, appelez-le comme vous voulez, l'antéchrist, se cache dans les détails mais c'est une symbolique et vous voyez on est bien obligé de donner un nom je n'aime pas le nom Antéchrist. parce que pour moi il ne correspond pas spécialement à ce que je pense être le problème je vous êtes, je suis désolé d'être aujourd'hui un petit peu bavard hein, dans, dans mon explication j'essaie toujours de ne pas parler de satanisme parce que le satanisme prête trop facilement à sourire les gens qui ne qui ne sont pas de notre religion, à la limite, et je, je ne m'attribue pas une religion particulière d'ailleurs, euh, mais qui ne sont pas dans une, dans une religion type chrétienne, ont du mal avec euh, Satan. Il faut que ça parle au plus grand nombre. Pour moi, on représente ici le mal extrême, celui que, quand vous vous adressez à lui, vous essayez de solliciter pour obtenir quelque chose en échange d'autres choses. Je vous ai déjà parlé de la trilogie du Bastan. Dans plusieurs vidéos, ce n'est pas pour rien, je sentais qu'à un moment on allait avoir besoin de s'appuyer sur quelque chose de visuel ou en lecture. Je vous le redemande, visualisez les films, la trilogie du Bastan que vous pouvez trouver sur Netflix si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez lire les romans de la trilogie du Bastan. Je vous demande de le faire, vous comprendrez pourquoi. C'est une mise en garde qu'on nous donne. Dans cette trilogie, si vous sacrifiez des enfants à un Dieu, vous pouvez demander en échange le pouvoir, la richesse ou ce que vous voulez. Ça fait plus d'un an que je vous en parle. Parce que je sens les événements arriver petit à petit, et nous avons ici ces Jeux olympiques qui en sont le reflet. Vous pouvez me prendre pour un illuminé si vous voulez, je ne pense pas l'être, je ne fais que décoder ce que je vois et qui apparaît à l'écran. C'est tellement flagrant, et rappelez-vous souvent que plus c'est gros, plus ça passe. Alors vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'explications sur ma boîte mail uthervoyant.gmail.com Nous pouvons en discuter. Mais observez pendant le temps de chez eux olympiques des signes, des têtes de taureau, des postures comme Moloch ou des incitations au sacrifice d'enfants. Vous, en en, vous verrez encore deux fois apparaître pendant ces jeux. Maintenant, assez palabré, regardons ici qui se cache derrière, parce que c'était bien la question. Qui se cache derrière tout ça Alors aujourd'hui, on va remonter. On va suivre le chiffre, en fait. Et on va commencer par cette rune. Et cette rune, c'est Sowilo. Sowilo nous indique plein de choses sur ce point de départ. Déjà, Sowilo, elle représente, on va dire, l'illumination, la compréhension du mystère. Mais Sowilo, elle a aussi un côté magique. À ceux qui sollicitent quelque chose qui véhicule à travers ce willow c'est la demande de pouvoir de lumière de repousser la mort. On a l'impression qu'en fait toute cette mise en scène c'est une demande on va dire magique entre guillemets presque une forme d'invocation pour obtenir pouvoir, Illumination, donc mise en lumière, et pour repousser la mort. C'est quand même quelque chose qui résonne, parce qu'on peut se demander qui a intérêt aujourd'hui à solliciter par des sacrifices le fait de repousser la mort Qui a intérêt par des sacrifices à essayer d'obtenir pouvoir et la possibilité de se mettre en lumière. Toute la base est là. Cette rune à mes yeux nous montre la volonté de ceux qui ont on va dire fait organiser cette cérémonie dans sa mise en scène. Le pouvoir Repousser la mort, qui est une forme d'immortalité, entre guillemets, et le fait narcissique d'être mis en lumière. Regardons cette seconde rune. Nous avons Anzouz. Je vous la montre. Hein. Anzouz est ici. Anzouz, c'est une rune qui symbolise la mort. Mais là, la mort physique, le décès. Et puis, c'est aussi la rune des monstres. C'est une rune qui sert à faire peur. On nous montre que là, on essaye d'invoquer quelque chose en échange d'un sacrifice. C'est exactement le thème de Moloch. Et que l'inspiratrice ou l'inspirateur ou ceux qui ont inspiré ceux qui... Nous est apparu devant nos, nos yeux, sous les écrans, en tout cas pour ceux qui ont voulu suivre cette cérémonie d'ouverture. Ces thèmes ont servi à provoquer une invocation. En fait, une invocation en mondiovision vision, devant tout le monde. Parce qu'elles sont dit Plus c'est gros, plus ça passera, mais plus c'est gros, et plus l'invocation sera forte c'est une invocation pour obtenir ce que je vous ai dit au départ ils vont sacrifier et j'ai trouvé cette vidéo importante à faire parce que faites attention à vos enfants faites attention à vos enfants ils sont en danger sur la région parisienne non pas les dangers liés aux attentats hein, ou, ou ce que j'ai fait pour euh, lors de ma dernière vidéo mais là en rapport à des sacrifices, à un dieu, pour leur donner du pouvoir, les mettre en lumière et repousser leur décès. L'Aguse qui est ici montre que le mouvement qui se trouve sous l'influence des, des créateurs, des, des personnages qui ont, enfin des personnes qui ont euh, commandité un petit peu la forme de tout ça. Leur influence dans ce, dans ce milieu est grandissante. Et à la tête, nous avons une femme, Bergano. Bergano, c'est le côté féminin. En tout cas, c'est une femme ou une personne ayant l'apparence d'une femme. Rappelez-vous, la cérémonie était faite avec des drag queens, qui sont des hommes ayant l'apparence de femmes, avec plus ou moins de réussite. Donc, on sent bien quand même qu'il y a quelque part tout un mouvement, mais qui est dirigé. Et puis regardez ici, Bergano, c'est la femme, c'est aussi un B. Ça commence à donner un petit peu des indications sur l'identité des personnes qui sont à l'origine de cela. Et on pouvait s'en douter, mais on en a la confirmation avec les rudes. On va toutefois finir le tirage et on va faire un, un, petit, un petit peu un résumé ensuite, bien sûr à nouveau, dans, avec nous disent, on nous reparle de sacrifice et de nécessité. Ça va plus loin, c'est la nécessité du sacrifice. Et justement, avec des victimes, on va dire soumises, entre guillemets, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la capacité de se révolter. Raido montre que ça va être fait dans la rapidité. La rapidité, avec un tel tirage, avec une telle demande aussi forte, 15 jours. Curieusement, ça correspond à peu près aux dates des Jeux olympiques, si je ne dis pas d'annerie. Il y a pour moi une urgence dans tout ça. Il souhaite obtenir quelque chose urgemment. Et Oise enfin, c'est aussi une rune qui insiste sur la survenue de mort. Quand on regarde l'ensemble ici, on nous donne plus que l'identité. Pour moi, il y a deux personnes. On va en parler juste après. Mais on nous montre déjà le, le, le pourquoi de tout ça. Le pourquoi, c'est simple. C'est une volonté de ne pas mourir. C'est une volonté de garder de la lumière en d'être dans la lumière. C'est-à-dire non pas pour le pas pour le bienfait des autres, hein, pas cette lumière-là, mais d'être en lumière, d'être mis en avant, dans ce sens-là, cette lumière. Un petit peu comme un artiste ou comme une personne importante. Ne pas être dans l'ombre, ne pas tomber dans l'ombre, mais se mettre en lumière, se mettre en avant. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un côté narcissique. Et puis, repousser la mort, le côté narcissique et le pouvoir, le contrôle du pouvoir. Et beaucoup de runes sont en train de nous indiquer qu'il y aura sacrifice, sacrifice de personnes vulnérables, et qu'il y aura des morts. C'est pour ça que je vous mets en garde sur vos enfants. Je pense dans la région parisienne, mais ça peut survenir partout ailleurs, partout en France. Mais principalement pour moi, le danger est en région parisienne. À la tête de tout ça, une personne ayant l'apparence d'une femme avec Bergano. Forcément, j'ai le sentiment d'un couple tout en haut de l'état. Le B comme, euh, comme Brigitte. Et donc forcément, je pense au couple présidentiel qui est derrière tout ça. Re regardez un tout petit peu ce qui s'est passé quand même. Hein, ces images que l'on voit euh, dans une forme de décadence, de... Où on, où on met la, la, la scène de Léonard de Vinci, c'est le dernier repas du Christ, on le travestit avec des, des, des draguines, quelque part il y a une forme de moquerie, tout simplement pour qu'on réagisse sur cela, alors qu'en fait il faut regarder ailleurs. Et je vous ai toujours dit, attention, on vous montre quelque chose pour que ce qui est le plus important, le plus terrible, on puisse le diffuser uniquement pour les gens qui se portent, qui portent le regard à cet endroit-là. Plus vous regardez la scène, moins vous voyez la scène. Plus vous regardez la scène C E N E S, moins vous voyez la scène S C E N E. Vous comprenez Plus vous regardez à un endroit, plus vous oubliez de regarder l'autre. Plus vous oubliez de regard, plus vous avancez. Plus vous regardez la scène de Léonard de Vinci, ce tableau, moins vous voyez la scène de celui qui prône l'égorgement de vos enfants. Il y a un réel danger dans ce qui a été montré. L'identité, il faut regarder tout en haut du pouvoir. Et finalement, est-ce si improbable Est-ce que ce n'était pas visible d'avance Bien sûr que si quelque part rien ne peut se faire sans que le, le couple présidentiel soit au courant de ce qui se passe. Ils sont bien à l'origine de ce qui a été montré lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Et ces Jeux olympiques ont été finalement une invocation à un dieu de destruction, à un dieu qui réclame un sacrifice pour leur donner longévité. Et pouvoir et quand je vous dis ça fait écho souvenez-vous je vous avais dit je vous avais parlé il y a longtemps peut-être un an, je vous avais dit sur 2024 avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron il y aura le décès de Brigitte Macron je vous avais fait une vidéo où il y avait des marabouts qui tentaient de contrecarrer quelque chose sur Brigitte Macron j'avais fait aussi une vidéo, je ne sais plus il y a combien de temps visiblement je vous avais dit les marabouts ne seront pas assez forts eh bien, nous avons la preuve qu'ils ne sont pas assez forts. Parce que là, quelque part, c'est une invocation devant les télés du monde entier où ils réclament un sacrifice d'enfants. Ça ne dit pas combien, c'est pour ça que je dis attention danger. Ils réclament des sacrifices d'enfants pour pouvoir prolonger la vie de celles qui ne devraient pas passer cette année. Nous en sommes là. Observez maintenant ce qui va se passer. Observons et comme je vous ai dit, nous verrons trois fois quelque chose en rapport avec Moloch. Si le tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour en parler avec vous par mail. Vous pouvez m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Je vous répondrai. Je rattrape mon retard, donc je vous répondrai au plus vite. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Courage les amis